Coucou tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour un petit vlog en animalerie. Donc je vais vous montrer mes achats, mais également vous donner mon avis sur les articles qu'on peut retrouver en animalerie, car on trouve souvent les mêmes choses. Je voulais d'ailleurs vous remercier pour les 100 abonnés. On a dépassé les 100 abonnés. Je vous remercie beaucoup de me soutenir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Mais également à nous suivre sur Instagram. Donc c'est little-chou. Et je vous laisse tout de suite avec le vlog. Comme d'habitude, je fais un tour dans le rayon des fleurs, des plantes. Et je regarde un peu ce qu'il y a. Et j'ai également regardé les cages qu'ils proposaient. Alors malheureusement, les cages qui sont en animalerie sont souvent trop petites. Que ce soit pour vos cochons d'Inde, lapins, hamsters, ils ont besoin d'espace pour bouger. Et malheureusement, c'est trop petit. J'avais besoin de litière, donc j'ai pris du chanvre. Donc c'est pas trop poussiéreux, c'était pour l'hamster de mon frère. Et j'ai regardé ce qu'il y avait en jouets ou en jeux d'occupation. Et malheureusement, j'ai pas vu grand chose. Par contre, il y avait pas mal de maisons en bois. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais pour les occuper, des jeux à ronger, j'ai vraiment rien vu. Et j'ai remarqué qu'il y avait de nouvelles choses comme des pétales de rose. Des choses assez nouvelles, comme par exemple quand vous voyez à l'écran du bleuet, mais c'était relativement assez cher, ce qui est vraiment dommage. J'avais besoin de foin, donc j'en ai pris deux sacs comme vous voyez à l'écran, donc c'est du Timothy Eye. Et par contre, je vous conseille vraiment pas ces friandises que vous pouvez voir à l'écran, c'est trop sucré pour eux. Du coup, j'ai pas pris grand chose et j'ai fait un tour pour voir s'il y avait des rayons ou des choses que j'allais pouvoir trouver. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé grand chose. Et bien sûr, pour finir, je me suis pris des petits bonbons. Ensuite, en espérant trouver le foin vraiment que je recherchais, donc du Timothy Eye Nature, je suis allée dans une autre animalerie où j'ai fait un tour et je n'ai toujours pas trouvé, mais c'était très intéressant. J'ai vu des granulées sélectives que je retrouve également sur Zomalia. Il y avait aussi pas mal de choix en maison, en pont en bois. Et j'ai trouvé, comme vous voyez à l'écran, des palets comme ceci, donc à donner aux cochons d'Inde. Donc j'en ai pris deux et je vais voir s'ils aiment bien, en espérant. Ensuite, j'ai continué mon petit tour. Et du coup, il y avait encore une fois pas trop de jouets, de jeux. Par contre, il y avait un grand rayon de friandises. Donc franchement, je vous conseille vraiment pas les friandises comme ceci, mais vraiment des friandises naturelles. Voilà, j'espère que ce vlog vous sera plu. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous !